Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue dans cette magnifique demeure du Ticket Challenge. Elle est belle cette maison, oui, très belle à foison. J'ai réparé le sol ici et rajouté le petit lavabo. Ouais. Et elle se lève à la fin. À 4h50 du matin, madame estime que elle a assez dormi et elle va se lever. Eh ben, Joséphine, tu es très matinale. Donc si vous n'avez pas vu, hein, c'est possible, hein, je sais pas, il y a peut-être des gens qui découvrent aujourd'hui la chaîne. Le speed build de cette maisonnée magnifique, vous voyez. Et ça date de l'épisode précédent. Puis ceux qui l'ont vu, ben, vous êtes les meilleurs, wesh, hein, quand même. Faut se dire, faut être franc, non mais franchement. Hein, si vous matez l'épisode au jour le jour, vous êtes les meilleurs. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et bienvenue pour ceux qui, au cas où, nous rejoindraient aujourd'hui. Je suis un peu folle, mais il paraît que je suis sympa. Bon, le passe-temps favori de Joséphine, c'est de faire les poches et après de faire la lessive. Oui. On a récolté 68 simflouzes, mais c'est beaucoup, dites-moi. Comme ça, elle va monter, elle va faire tous ses emmerdiers là. Et les petits trucs sont là, donc c'est parfait. La maisonnée est calme, y a pas grand monde debout. Ah, ça y est, Arthur il est debout. Qu'est-ce que tu fais? Mais va te faire mettre, toi! Punaise, ta mère, elle est en train de les prendre! Tu te fous de la gueule de qui? Oh, putain! Mais voilà, et voilà, hein, les gosses. Les gosses. Ramasser tas de vêtements. Je vous jure. Arthur, tu me gonfles. Alors, Arthur, avant de faire des conneries, ici, il y a une salle de bain. Tu vas donc aller aux toilettes. Prendre un bain. Jouer dans le bain, si tu veux. Et après, t'iras manger. Pourquoi, Louise, tu vas dans la chambre de tes frères pour faire tes devoirs encore? Du travail supplémentaire? Ah bah. D'accord, madame s'ennuie un peu. Se dit, ouais, non, mais. Je galère pas assez. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il fonctionne pas, les chiottes? Mais c'est trop bizarre! Oh! Bref. Mais pourquoi tu fais tes devoirs alors que tu peux manger? Aller aux toilettes. Il se complique la vie, ces Sims, c'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah là là! Attention! Tu vas faire la lessive dans la bassine. Allez, Joséphine, là-bas, oui, non, mais ça merdoie. Les cours? Ah oui, on est vendredi. Mince, j'avais pas vu venir ça, je pensais qu'on était samedi. Bah toi tu vas aller aux toilettes. Puis après tu vas discuter avec ta sœur. Est-ce que c'est son intérêt? Arthur. C'est bien, après tu viendras manger. Albert. Albert, tu vas aller aux toilettes et tu vas te divertir. Voilà. On est déjà bien parti. Joséphine, elle est avec sa lessive, hein, comme d'habitude. Magnifique tout ça. Bon, la marmaille, il va aller en cours. Normalement, elle est où? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ils sont buggés, hein. Là, il y a encore des fringues qui. Elle s'est dit, oh non, mais moi c'est bon, j'arrête les cours, je suis une thug. Tu vas te laver un petit peu, je veux bien. Tu vas aller aux toilettes aussi, je veux bien. Mais tu vas aller en cours surtout, hein, cocotte. Toi, tu vas réviser assidûment. Toi, tu vas réviser assidûment. Et toi, tu vas réviser assidûment.
Joséphine, t'as pas fini là, hein? Vider la lessive sur la corde à linge. Allez. Pierre-Nard, comment il va? Pierre-Nard, il se dit, j'irai bien tremper mon cul dans ma baignoire personnelle. T'as bien raison. Et hop là, encore du linge. Oui, alors, il se lave alors qu'il doit pisser aussi, mais il préfère encore se laver. Oui, parce qu'à la limite, tu peux pisser dans le bain, hein, ça fera des économies de chasse d'eau. Joséphine, c'est bon. Tu vas changer l'eau après. C'est calme cette maison. Tu vas aller faire ton petit pipi. Tu peux aller te détendre. Ah non, attends. Germaine. Bon, Germaine, elle a encore un peu de temps. Tu vas aller te détendre dans un. Prendre un bain de boue. Allez, hein, je sais pas si à l'époque c'était bien, mais au moins, toi, là, je te donne l'occasion. Je te donne ce cadeau. De prendre un bain de boue. N'est-ce pas, Joséphine? T'es contente? Oh là là, j'ai du linge propre. Oh, c'est agréable. C'est sûr que c'est mieux d'avoir du linge propre que du linge qui pue, râpeux, qui pique et qui gratte. Qui est trop petit aussi. Qui te serre dans tous les sens, qui te rentre dans les fesses et tout. Donc, alors, tu prends un bain en pyjama. Ouais? Bah écoute, si tu t'éclates comme ça, moi c'est bon, ça me va aussi. Pierre Nard, il prend son bain lui tout nu, hein. Lui il fait des vrais bains tout nu. Il a remis sa tenue de Newton Scamander, je crois que c'est. C'est que tu vas aller réparer ça. Ah oui, quand je vois ce magnifique cheveu de cheminée. Dites-vous que depuis le tout premier épisode, il fonctionne. Le feu fonctionne. Ce feu incandescent et éternel, mais il va bientôt falloir l'éteindre, puisque les saisons arriveront, vont arriver. Là, j'enregistre forcément en avance, et le prochain épisode sera avec les saisons. Et effectivement, en été, je pourrais pas laisser la cheminée allumée, parce que ça risque d'être compliqué. Ok, et ben dans ce cas-là, tu vas t'occuper de ton jardin. Oui, regardez-moi ça. Il y a plein de choses. En plus, tu pourras récolter. D'ailleurs, j'ai vu que dans la donne saison, on pourra récolter et surtout tout vendre en même temps. Et ça va être sympa pour le jardinage. Au lieu de faire un à un et tout, on vend tout, cap, comme ça, et on récolte le pactole. On va être bien. Oh! Est-ce qu'il y en a que t'as pas accès? On va voir ça. Je sais pas. Peut-être qu'il la fera après, mais. Moi, il devrait avoir accès à toutes les plantes. Hein. On va voir ça, hein. On va voir ça. Et donc, j'avais dit que il fallait que tu fasses. Tu vas me faire des guéridons. On en a besoin. Oh! Est-ce que tu peux faire quoi? Est-ce que tu peux faire quoi? Oui! Moi, parler bien la France! Si je. Non, toilette, tabouret de bar. Ouais, un toilette. Je veux bien que tu me refasses un toilette pour l'étage. Pour l'espèce de petite salle d'eau ici. Qui n'est pas fini. Pourquoi je peux pas voir à l'intérieur? Parce que j'ai pas de cime, d'accord. Là, quoi. Bref, hein, vous avez vu. Je suis pas. Oh, faut pas être Einstein. L'autre, elle est encore dans son bain. Ah non, ça y est. Elle joue maintenant. Elle prend un bain de mousse. Bah vas-y, meuf. C'est ton plaisir surtout, hein. Et Jermaine? Tu te fais des amis. Tu te fais des amis, tu te fais des amis, et tu te fais des amis. Germaine est presque finie de dormir. Ouh, quelle belle maison. Oh bah, ah, on a la même. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de faire les petites clôtures là sur le côté. Oh, c'est pas très grave, ça sert pas à grand chose en plus. C'est pas très agréable. Voilà la petite crapulette. Oh, maman, maman! Maman, tu me fais à manger, wesh! Wesh, vas-y! Donne-moi à bouffer, je crève la dalle! Ouais!
Puis je commence à puer, wesh, tu vas me donner un bain aussi, saloperie, va! Ouais, ça c'est les petits wesh de l'époque. Bernard, il commence à nous faire ses trucs. Moi, oh, qu'il est beau le chat, tiens, il est beau. Oh. Et c'est toujours pas fini d'évoluer, moi j'en peux plus. Hein. Je n'en peux plus. Voilà, bah, je mets au pif et puis ça se démerdera lui-même. Oh, quelle magnifique plante. Voilà. Petit pépette, tu peux prendre à manger, comme ça t'occupera. Alors, il a rencontré qui? Albert a rencontré Henri. Arthur a rencontré Emma. Albert a rencontré Sébastien. Voilà. Tu vas raconter une histoire? Playmobil en avant les histoires? Pour l'instant, ça manque quand même pas mal de meubles, de décorations et tout ça. En fait, je crois que c'est commence à être permis d'avoir des tapisseries, donc des canapés ou des tapis, après, en 1910. Donc là, c'est un peu vide, mais c'est normal. Je peux pas non plus inventer les règles. Ce n'est pas moi qui les fais. Voilà, ça y est, la petite a fini de manger. Elle est où? Ah, il va y avoir son... Arthur a rencontré Eugénie. Très bien. Mais petite pépette, elle va demander un bain à sa mère. Une couche, s'il te plaît. Non, plus de choix. Aide. Un bain, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Elle ne râlera pas, la gosse. Elle sera contente, celle qui veut prendre son bain. Oula! Ça, c'est pas relooké, ça. Ou alors, ils se rechangent après avoir... alors que je les ai tous relookés, là. Après, j'ai fait vraiment que la tenue, normalement la tenue de ville, la tenue de jour en fait, pas les autres parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. Je préfère m'attarder sur ma propre famille que la famille autour. Arthur a rencontré Paul-Émile. Eh ben dis donc, Paul-Émile, mon pauvre, t'es mal barré dans la vie avec un prénom pareil. L'objet en bois était placé dans l'inventaire du CIM. Oui. Oh poupou. Ah Didi. Allez. Au bain, à la douche, à poil. Elle va te décrasser, ma petite. Ah, note en haut, c'est un A pour Gustave. Arthur doit inviter Eugénie. Oui, bon, tant qu'à faire. Termine la moyenne de C à l'école pour Albert. Oh putain, Albert, t'es nul. Attendez, je mets sur pause parce que... Arthur, il a un A. Louise, elle a un A. Louise passe par une phase. Ah bah, c'est super. Oh, Louise. Ah, Louise, tu pues. Louise, tu pues. Louise, tu vas aller de suite te prendre un bain. Voilà. Les garçons. Ça va pas du tout, par contre, Albert. Tu es nul. Donc, ça va pas être possible. Hein. Ouais, t'as un jour d'école de merde. Bah oui, mais moi, j'y peux rien. Donc, tu vas manger. Tu vas écouter... de la musique baroque. C'est toi, t'aimes la musique. C'est Eugénie Rousseau. Arthur, lui, il veut toujours bouffer du gâteau, de toute façon. Discuter de l'ennui. Faire une référence culturelle. Discuter des centres d'intérêt. Parler de l'école. Décrire l'ami imaginaire. Gustave, tu peux aussi discuter avec cette fille, présentation amicale. Elle a l'air saoulée. Arthur. La reconnaissance. Ouais. Ouais, ça se voit, elle est blasée, la fille. Illuminer la journée. Complimenter. Ah là, alors, elle est bien prête, Germaine, elle est très bien. Tu fais quoi, toi? Toi, tu danses, d'accord. Lui, il écoute de la musique pendant qu'il mange, c'est parfait. Ce que tu peux faire, Joséphine, c'est ranger les livres. Pierre-Nard, il nous a terminé son toilette. C'est sec? C'est sec. Immaculé, sec. Allez, voilà. C'est un génie, la petite...
Eugénie, c'est une génie. D'accord, c'est logique. En même temps. De qui se moque-t-on? Parce que lui, il a son violon, là. Mais il peut pas en faire, hein. Parce que c'est un truc pour enfants. Donc ça, c'est nul. Faudrait que j'aurais dû lui en racheter un. Je lui rachèterai un pour le prochain épisode. T'es de meilleure humeur, mon petit. Tu vas bosser tes devoirs, hein. Mais grave. Hop. Qu'est-ce que tu fais, toi? Danse. Tu vas faire tes devoirs, surtout. Puis tu vas manger, puis tu vas aller aux toilettes. Gustave. Demandez conseil. Cassez les couilles avec vos conseils. Tu vas te divertir, prendre un bain, aller aux toilettes, manger. Et après, tu feras tes devoirs. Le programme de ouf. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça y est, t'es plus en phase bizarre, là? T'as besoin de divertissement, par contre. Oh, mais... Mettre dans le panier à linge. Vas-y, s'il te plaît, mets dans le panier à linge. Je commence à en avoir un peu partout, ça m'agace. Ah, mais panier à linge, il pue. Oh, vache. Parce que j'aimerais bien te faire faire de la peinture, petite Louise. Fais-moi un paysage. Qu'est-ce que... Pierre Nard, qu'est-ce que tu fais? Tu t'ennuies? Oh là là, Pierre Nard, ça va pas. Oh, Pierre Nard, ça va pas. On va passer par étapes. Tu vas déjà prendre une portion de ça. Tu vas manger. Tu vas ensuite faire un petit pipi des familles. Tu vas prendre un bain de mousse. Ça, ça va te relaxer, te divertir. Logiquement, c'est bien. Tu peux parler à ton fils, peut-être. Exprimer son admiration. Demander comment s'est passée la journée. Ça, il va discuter un petit peu, parce que là, ça va pas. T'es dans un sale état, mon petit. Alors, niveau anniversaire. Arthur, il va bientôt grandir, il me semble. Hein. Dans 2 jours, c'est parfait. Et Gustave, lui, dans 8. Et Germaine, dans 3. Ah oui, quand même! Donc 2, 3. 2, 3. 8. Et elle? 6. Ouais, quand même. Et 11. On va enchaîner plusieurs anniversaires. Pierre Nard, c'est dans 10 jours. Et Joséphine, dans 20. Putain, dans 20 jours! Elle a 10 jours de décalage avec son mari. Et encore, sachant que comme je l'ai fait vieillir prématurément. Lui, il fait ses devoirs, c'est parfait. Voilà, Pierre Nard, il s'est remis. Ah, mais putain, mais Gustave, tu fais quoi, là? Oh, dis pas que je me suis gourée. Non, non. Je sais plus. Pierre Nard, je suis affreusement désolée. En plus, t'as sa propre salle de bain, je t'ai même pas fait y aller dedans. Tu vas utiliser ton toilette. Et tu vas prendre un bain de mousse pour toi. Allez. Je suis désolée, Pierre Nard. Pourquoi ça pue ici? Qu'est-ce que t'as fait, Joséphine? C'est elle qui a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai peur qu'il y a du gros nawak qui s'est fait au niveau de la lessive, là. Non, je vois rien. Devoir terminer pour Albert, c'est très bien. Joséphine. Ah, oh, mais il a pété le toilette, ce con. Oh. Louise, elle a fait un paysage. Fais-moi voir ça. Par contre, elle est... Oh là, que c'est moche. Non, tu vas le vendre. Alors, l'école, c'est nul. L'école, c'est nul. Oui, alors, l'école, c'est nul. Augmente ta responsabilité. Contrôle les émotions. Ne grandis pas trop vite. Allez. Elle est plus compatible avec son trait de caractère. C'est pas grave, on s'en fiche. Tu vas manger après. Voilà, on a gagné 217 simflouz. Merci Louise. Tu peux aller aux toilettes, toi. Et toi, après, tu pourras réparer le toilette. Que tu as toi-même construit, Pierre Nard, je te ferai dire. Quand même.
Mais c'est marrant ça qu'on voit à travers les escaliers maintenant. Je pense que c'est. Ouais, c'est seulement quand on a son sim sélectionné. Ah, c'est trop drôle. Il y a eu des petites mises à jour, des petits trucs, hein, c'est bien ça. Bon, elle mange des céréales, d'accord. Tu peux écouter aussi de la musique. Ça te remontera peut-être un peu le divertissement. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui apprends à parler, c'est très bien. C'est bien. La petite famille. Toi, après, t'iras à manger aussi. Allez, au niveau de ton divertissement, t'es nickel là, Albert. Hein, vas-y. Hein. Elle aussi, c'est bon, ça remonte. Arthur, il est en train de. Très bien. Lui, il fait ses devoirs. Elle est bien. Bon, c'est parfait tout ça. Elle remonte son divertissement. Et puis, quand t'auras fini. Tu pourras me faire une toile impressionniste. Gustave a fini ses devoirs pour aujourd'hui. Pierre-Nard est sorti. Par contre, ton bain de mousse, il t'a pas fait d'effet, hein. Bah, écoute, si tu te sens mieux à faire à lire. Ouais, d'accord. Il fait parler un livre, tout va bien. Dis donc, t'as du bide, Gustave, qu'est-ce que tu nous fais? Tu m'énerves avec tes conseils. Va pisser. Est-ce que lui, ça va pas, non, Albert? Je t'ai dit, va pisser, va manger. C'est compliqué, la vie. Pierre-Nard. Ouais, je sais pas. Ouais, donc, si tu veux, si ça t'éclate. Ils sont mignons, tous, quand même. Ils sont tout mignons, tous, comme ça. C'est très bien. Oh merde, il s'était mis à jouer de lui-même avec la petite. C'était trop chaud! Elle est en colère, qu'est-ce qu'elle a encore? Exaspérée par les mots. Ouais, non, mais t'inquiète, papa, il va s'amuser avec toi. Rire! Oh la salope! Une claque dans la gueule, ouais! Non, mais oh! S'excuser. Du coup, tu vas t'excuser. Calmer. S'excuser. Oh! Quelle teigne! Disons, toi, tu vas être puni, hein! Discipline commence à. De ne pas être méchante. Bon, pourquoi ça n'a pas validé? J'ai cliqué. Calme. Demandez de ne pas être méchante. C'est possible ou pas? Ok. Allez, tu peux du coup jouer avec elle. Jouer. Voilà. Fais-toi plaisir. Albert, tu fous quoi là en pyjama? Va te courir. Va courir. Oula. Dites que la maison est trop petite aussi hein, pendant que vous y êtes. Voilà. Hop là. Elle est mauvaise cette gosse quand même. Hein. En colère, je ne veux pas. Et provocatrice. Ah, saloperie. Quelle saloperie! Eh oh, Joséphine là! Tu crois où? T'arrêtes un peu. Va au pipi, pipi pote là, pipi spot. Voilà, on est bien. Tu vas. T'as des trucs à. Ah! Pierre-Nard, t'as ça réparé. Le truc, il est tout neuf quoi, ou presque. C'est bon quoi. On est bien. Il y en a une qui a envie de pisser. Et comme elle est trop gnognante pour y aller elle-même. Ah, puis il est dégueulasse ce chiotte. Bah, viens là au moins. Parce que dès que Pierre-Nard il aura fini, tu pourras y aller. Voilà, en plus il le fait en 2 secondes donc. Bah, Pierre-Nard, as you want, tu fais ce que tu veux de ta vie maintenant.
Sauf faire le ménage, à manger et l'éducation de la petite. D'accord, c'est ce que je disais. Sauf... Non, c'est pas... Oh, je me suis trompée, c'est pas le bonbon. Ce n'est pas ça que tu... Le bonbon. Hop, oh, une voiture. C'est pas du tout normal, ça. Non, j'ai dit! Pierre Nard! Viens ici! Oh, c'est pas vrai, hein. Moi, je vais t'envoyer t'occuper de tes plantes si tu continues, hein. Oh la vache. Je les ai encore plus collées les unes aux autres, c'est un peu compliqué pour... Voilà! Sale bête. Bon, la petite, elle dort. Ah non, ou pas. C'est moi ou il y a un bug? C'est gonflé comme s'il y avait quelqu'un dedans, mais il n'y a personne. Ok, toi. Ouais, bon, elle va te coucher. Tu ne feras plus chier comme ça. Lui, il est... Oh! Dégueulasse. Tu vas rentrer, tu vas prendre un bain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait la lessive, elle, maintenant. Oh là là. Prends un bain. Ah ouais, bah, elle aime ça, hein? Joséphine, c'est Madame Lessive, Madame Ménage. Voilà. Et minuit, son kiff, c'est de faire le ménage. Bon, tout le monde est parti se coucher. De toute façon, demain, on est samedi, on est week-end. Et demain, dans le jeu, je parle bien sûr. Et demain, dans le jeu, c'est aussi les saisons qui arrivent. Ta 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 ta. Donc, ça va être sympathique de voir tout ça. Alors, j'espère juste qu'au niveau des vêtements, on va pas être en rade. Ceci, il faut des vêtements chauds ou froids. Enfin, froid. Donc, quand il fait chaud, quoi, je veux dire, on soit pas dépaysé et pénalisé parce que mes CC ne vont plus fonctionner. Ça m'embêterait pas mal. Albert, t'es dans un état, mon petit. Je suis sûre qu'il va s'endormir dans la baignoire. Ouais. Je suis sûre que tu vas t'endormir dans la baignoire. Elle est dans un état, cette salle d'eau, avec le chiotte qui pue, la flaque d'eau et tout. Oh là là là. C'est une honte. C'est une honte. Bon, voilà. Oh. Joséphine, là. Ouais, non, mais tu fais la lessive, moi je veux bien, mais tu la penses aussi, parce que sinon, ça va croupir là-dedans, ça va pas le faire, quoi. Elle est contente. Allez, tu fais ça, après tu changes l'eau. Ouais, s'est levée quand même à 5 h du mat, mais elle est encore en forme. Bon, voilà, elle est partie se coucher à un moment donné aussi. Hein. Faut pas se leurrer, hein. Tu vas t'essuyer ça, tu vas nettoyer. Albert, va te coucher. T'en as assez fait pour la journée, là. Va au lit. La maison est décorée avec finesse, donc ça fait plaisir à entendre. Elle a fait ce qu'il fallait. Oui. Le petit ménage. Mais t'aimes ça, tu m'as dit, Joséphine. T'aimes ça, faire le ménage. Donc viens pas te plaindre après, hein. Oh. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah non, parce que j'ai vu qu'il y avait une flaque d'eau. Mais c'est bon, c'est pas grave. Nettoie les toilettes, c'est plus important. Voilà. Tu vas faire quoi avec... Non, tu vas pas danser. On va l'éteindre. Hop, et puis tu vas être couché. Doucement mais sûrement. Sans manger, mais tu mangeras le lendemain matin. Et voilà, je vais donc vous quitter pour cet épisode qui était un peu plus calme et puis plus court aussi que le précédent, ça c'est sûr. On n'a pas construit. Non, moi je viens juste de le faire, d'aller faire la construction, donc j'admire encore cette œuvre sublime, magnifique, parfaite.
J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour voir la suite du Decade Challenge ou d'autres choses. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut!